took the message and sent it. Felt like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment cause I gotta go for the time's gone. Ain't scared of the dark cause I'm bringing the light with a nice long. I shine on. Eh bien, bonsoir les gens, c'est Willy. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play sur Spider-Man Miles Morales. Dans le dernier épisode, on a fait une petite mission un peu secondaire, parce qu'il fallait retrouver des cargaisons volées. Sacrée mission quand même, avec beaucoup d'infiltration, c'était quand même bien cool. Après on a enchaîné sur un repère de l'Underground qu'on a souillé, hein, on a défoncé tout le monde, c'était quand même bien stylé, même si on n'était pas très discret. Et aujourd'hui on va se rendre au théâtre, à l'opéra, je sais plus, pour retrouver le uniforme. Ce sera déjà pas mal. T'avais raison, Gonki. L'underground est partout. Ils vont peut-être se faire undergrounder. Travaille tes blagues. Barrière électrifiée. Et pas qu'un peu. D'après ta tenue, tu t'es mangé 300 kilojoules. Et t'as juste fait aïe. Ça doit être grâce à ma bioélectricité. Ils peuvent pas produire tout le courant sur place. Oui. Il faut trouver ce qui a été produit. Sur la source d'alimentation ? Plusieurs. Mais ces câbles vont me guider. Barrière électrique, ça plaisante pas. Ok, par là-bas. Ils sont peut-être mis à flipper après mon petit numéro à la tour fisc. Quel culot ! Pas de vol sur ce coup. Désolé. Bon. Où dois-je aller? Visiblement, c'est juste au milieu là-bas. Mais il y a du monde. Déjà, si je fais... ça. On n'en parle plus. Hop, on remonte là-haut pour avoir une vue globale. Je vais m'occuper du sniper et après on va faire les mecs tout en bas. Et là. On n'est pas trop mal. Je m'occupais de lui. Attends, lui s'isole un petit peu. Si je fais... ça. Alissa, t'es là? Alissa? Allez voir si tout va bien. Ouais, chef, j'y vais. J'ai entendu un truc. Allez, un monstre hors de vue. Et on n'en parle plus. Le gars il est là-bas, on est occupé. Hop là, on remonte. Et là il y a de l'ennemi là-bas, mais nous on gère cet endroit là. Et voilà, on n'en parle plus. C'est bon. Maintenant, je dois vider ce générateur. Allez, un générateur de moins. Ok, j'en ai vidé un. Tout va bien. Plus que quoi, il y en a encore un ou deux, je pense. Attendez, si je regarde la map, on peut pas voir. J'ai l'impression d'en voir moins deux. Ouais, il y en a un par là-bas. On va prendre un peu de hauteur.
Et une juste en dessous. Autant s'occuper de celui qui est là. Et après on verra. Hop là. Quoi? Non, on m'a pas vu. Mais non. Vous allez rien faire. Et rien du tout. Regardez-lui. Dans 2 secondes, il disparaît. Et voilà le travail. Là, ces trois-là, ils vont bientôt mourir. Si je me perche là-haut. Lui, je peux le choper. Ou sinon, je peux choper ces deux-là. Regarde là-bas, il y a un bruit bizarre. Genre vraiment là, hein. Et toi, regarde là-bas derrière toi. Oh oh. Sympa ton nouveau squat. Bon bah chiant. Je voulais être discret mais ça a pas marché. Hey, t'as mangé. Oh si je vais pouvoir faire quelque chose. Et voilà le travail. Ça. Ah, je peux pas aller à la tège. Non, faut qu'encore que des mecs qui arrivent. Cool. Facile. Au suivant. Pas d'ennemis ici, faut que je parte là-bas maintenant. Essayons d'être un peu plus discret maintenant. Lui déjà je peux l'éliminer facilement. Faut que je l'attire. Voilà. En face, il y a un autre ennemi assez balèze. Je vais m'en occuper. Ah, petit bug visuel. C'est pas grave. Et là maintenant, ils sont 2, 4, il y en a au moins 5. Il y en a 5... Moi je pourrais faire mon truc. Chaque jour on devient un peu plus fort. Oh, mon camouflage n'a pas duré. Allez, moi si personne ne peut venir, je viendrai à vous. Ah ouais? Vous allez me choper. Vas-y, chope-moi, chope-moi. Oui, il me chope pas.
Ah, pas marre? L'underground c'est fait. Le générateur c'est bientôt fait. Et voilà le travail. Encore un? Sérieusement? Et ils assurent les balaises ici. Ça doit être là-haut. Ouais, j'ai l'impression de voir des cibles. Alors attention. Là, je vois qu'il y a un mec déjà. Est-ce que je peux pas l'éliminer comme ça? Si, bien sûr. On l'a jamais fait comme ça. Là, il y a un mec. Et de deux. Il y en a un en bas, on va s'en occuper. Ah, je me suis fait voir. Non, on m'a pas vu. J'aime bien ce type d'élimination. Ah, on m'a vu. Ah, on m'a vu de très très haut, un sniper. Il est où? Hop là. Attends, je vais m'occuper de lui. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est bon, ils sont morts. Ah. Hop. Par là, ça menait au grand auditorium. Mais c'est bloqué. Oups. Il y a peut-être un escalier ou un ascenseur. Celui-là, par exemple. Un truc. Et si tu disais à Finn que tu es Spider-Man? Hey Finn, non seulement je t'ai menti pour rejoindre ton club, mais en plus c'est moi le relou qui essaie de t'arrêter. Ouais, d'accord. On va bosser sur la formulation. Ouais, Ganky est très efficace. Oh! Un silo blindé géant, c'est prometteur. Et personne à l'horizon. C'est presque inquiétant. D'avoir une bécane préhistorique à côté. Ouais. Finn s'est fait un vrai QG de super vilain. Tu vois cette espèce d'énorme container blindé? C'est pas louche du tout. Tu crois que le Nuform est là-dedans? J'ai un pressentiment. Il y a plus qui s'éloigne de ce container. Je me demande si... C'est l'invention de Rick. Trigger comprend pas suffisamment le Nuform pour en refabriquer. Mais Finn, oui. Elle a analysé sa réactivité. Et on pète le générateur. Les deux, faut alimenter les autres. Alors, pourquoi tu penses que je devrais dire à Finn? Ah, je croyais que ça arrivait. Tu crois pas qu'elle va le prendre un peu mal? On va faire une liste pour ou contre. Pour, c'est ta meilleure amie. Enfin, après moi. Contre, c'est Tinkerer. Pour, lui parler sera plus facile que de magouiller des trucs dans son dos. Contre, l'autre Spider-Man a été super clair. Ne révèle ton identité à personne. Tu me l'as dit à moi. Peut-être que si elle sait que c'est contre toi qu'elle va, elle reviendra sur cette histoire de Tinkerer. T'as peut-être pas tort.
Je parle pas trop parce que j'écoute un peu ce qu'ils disent. Tina a fabriqué de nouvelles armes contre moi. Elle a dû dire aux gens de l'underground de me garder à l'œil. Ok. Elle a encore deux générateurs. Il y en a un qui serait là. Ouais. Super. Belle voie dégagée pour le générateur. Finn lance Roxxon sur de fausses pistes pour qu'il ne les trouve pas. Elle est le Nuform. Elle est maligne. Et de 3, plus qu'un. Ok, les décors sont levés. Mais il faut encore que je connecte le générateur. Et je le connecte à quoi? À ça là-bas? Non, pas du tout. Finn essaie de rendre le Nuform instable progressivement. Elle veut le rendre réactif, mais pas explosif au contact. Pourquoi? Continuer à le déplacer. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Et où est le deuxième? Je pense qu'il faut que je monte. Allez, encore un. Qui est... Ah, encore comme ça. Chiant, chiant, chiant. Je ne sais pas où je dois le mettre en plus. Ah bah là. Impossible de les relier directement. Mais je pourrais créer une jolie guirlande en me servant de ce relais. Ah. Non, pas celui-là. Sera celui-là. C'est branché. Y a plus qu'à l'activer. Et là, il y a un petit truc encore. On dirait que Finn fait un nouveau masque ou un bouclier. Dès que je trouve un moyen de déjouer les armes de l'underground, elle trouve autre chose. Et voilà le dernier effet. Je sens qu'elle va débarquer là ou qu'il y aura des membres de l'underground qui vont m'attaquer. Alors, qu'est-ce que tu mijotes, Finn? Finn injecte de l'énergie dans le Nuform. Ça le rend instable, comme avec ma bioélectricité. C'est ce qui a fait sauter le pont. Et alors, elle veut quoi? Elle veut faire exploser l'opéra? Pas le James Theater. Roxxon Plaza. Waouh, quoi? C'est... Mais elle est malade! Elle n'a pas encore ouvert. Donc il n'y aurait pas de blessés. Mais je peux pas la laisser fuir. J'embarque le Nuform. Ouais, parce que même en allant en mode invisible, ça marchera pas. Le meilleur moyen de battre Roxxon. Finn parle pas de casser quelques vitrines. Elle veut carrément détruire tout un immeuble de ma rue. Si son plan part en sucette, il y aura des blessés. Je peux pas la laisser prendre ce risque. T'as raison. Sortons ce Nuform d'ici. Ouh, le petit coup de genou aidant, ça va faire bien mal. Là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, ils sont vachement nombreux. Ceux au milieu, c'est trop craignos. Je suis trop visible. Donc, faut que je fasse ceux qui sont comme ça à découvert.
Oh, c'est pas lui que je visais. Sérieusement. Ouais, ça dégage. Quoi, je te finis. Aïe aïe aïe. Ouais, petit sprint biométrique. Quoi, tu dégustes. Quoi, tu manges. Hop là. Tu bouffes. Toi tu manges. Allez, ça bouffe. Au suivant. Encore. Même Spider-Man de rien pour ça. Ok, il y a un nouveau boss. La bioélectricité marche. Génial, continue. Toi, tu bouges. Tu sers à rien. Toi, tu vas me servir de rechargement pour ma bioélectricité. Ah ouais, lui il est vénère. Allez, bouffe. Et retour à l'envoyeur. Un petit massacre. L'uniforme maintenant. Il récupère l'uniforme. Ok. Doucement. Oh non. Je te laisserai pas prendre ça. Je veux juste parler. Ok, c'est une course poursuite. Par contre, ça sent un peu la fin du jeu, c'est trop bizarre. J'espère pas quand même. Ouais, compliqué hein. On improvise. Ah mais cours, Miles. Allez. Faut que je me rapproche. Je propose qu'on discute. Je te propose. Il est même pas fatigué. Allez, on est reparti. T'es où là? J'en sais rien. J'évite les explosions. Il me faut une nouvelle stratégie. Je vais faire ce que tu m'as dit. Tu lui dire la vérité? Ouais. Dès que je l'aurai rattrapé. Compliqué, hein. Faudrait que je l'attrape. Aïe aïe aïe. Oh là là, elle est trop chiante.
Hop là, petite esquive. Oh non, ça craint, ça craint. Ok. Et moi en plus j'ai rien sur l'eau là, je peux pas accélérer. Mais j'esquive. Donne-moi une bonne raison de pas t'achever. Ma mère t'en voudrait à mort. Miles. On pourrait pas... Vous deux sur le toit, pas un geste. Ça aurait pu se passer mieux. Elle m'a pété une côte. Ou peut-être trois. Oui, soit piqué un petit alors, peu. Ça s'est passé comment avec Finn? Pas terrible. T'es toujours à la fin? Non, je suis chez moi. Mes parents rentrent la semaine prochaine. Je voulais ranger un peu. Mais je peux en venir? Non, c'est pas grave. Je te rappelle plus tard. Comment je vais faire? Eh bien, on verra ça dans le prochain épisode. Salut, oncle Aaron. Ah, je voulais... le rôdeur. D'un conseil. À quel sujet exactement? Ben, à peu près tout. T'es libre là? Je peux me dépêcher de finir. Je t'appelle après. Super, merci. À tout à l'heure. J'ai aucune idée d'où sont Finn et le Nuform. Je vais m'occuper en attendant qu'oncle Aaron soit dispo. Oui, mais on verra ça dans. Ah, là, c'est comme ça vers la gauche. Ah, bah oui! Ah mais je ne savais pas. Bah vas-y on fait une photo rapidement. Et après je vais vous laisser la post épisode. Allez on va faire la petite photo. Hop là. Bon, bah on sent qu'on se rapproche un peu de la fin. Hein. Je pense que d'ici 1h30, 2h, on aura la fin du jeu. Donc on approche quand même les derniers épisodes déjà. Allez, petit boost. Le crime, j'ai pas le temps, désolé. Pour une fois, le crime attendra. Hop, d'abord on fait un selfie et après je m'arrête là. Hop là. Arrêtez-moi si vous la police. Spider-Man pourchasse un malfaiteur causant des millions de dollars. Hop. On n'a pas encore fini d'évaluer les dommages causés par Rhino. Allez, on y est presque. Ah oui, le jeu se finit assez rapidement. Ah bah oui. Le jeu est environ... Oh, c'est 10 heures de gameplay. 10 heures de jeu, je crois, ou 8 heures. Et là-dedans, on y approche. On est à quoi, à l'épisode 8 ou 9? On fait quasiment 40 minutes à chaque fois par épisode. Même si avec le montage, ça fera genre 30 minutes. Donc ouais, on approche quand même de la fin. Ah, le crime, il est à côté en plus. Allez, on y va vite fait. Allez hop. Allez, qui en veut d'autres?
Il y en a en fuite là-bas. Il y en a un qui s'est enfui. Bah. Tu vas te déguster, gamin. Mais il m'emmerde lui. Allez hop. Voilà, ça t'apprendra. Il y en a encore en fuite. On dirait bien et je peux pas l'attraper. Bon bah rip. Hey Spider-Man, l'un des principes fondamentaux de Kwanza et Lujama. Alors que je te vois pas faire du shopping en centre. Salut petit. Retrouve-moi sur les quais à Hell's Kitchen. Ça marche. Alors je suis pas très loin mais on ira dans le prochain épisode. Je vais essayer de lui parler. On pourrait se retrouver quelque part. Au Forum des Sciences ou à Trinity Church. Non. Elle sait que je lui ai menti. Elle voudra pas me voir. Allez, on avance. La petite photo. Après, j'en ai fait des kilomètres hein, pour faire sa photo de merde. C'est là qu'il fait, mais je voulais pas toi, je voulais le vrai Spider-Man. Sérieusement? Oh, une conduite de gaz a explosé. Ça craint. Si j'envoie les parties qui ont lâché, je peux arrêter les fuites. Ouais, mais où? Ok. Et de une. Et de deux. D'autres conduites ont lâché. Ah, décidément, c'est de la merde ici. Et c'est où ça lâche encore? Ici. Les tuyaux vont monter où sont les autres fuites. Oh, sérieux. On finit pas. Encore? Rien de ce côté-là. Et de ce côté-là, rien du tout. Bah c'est bon, mission accomplie. Bah y'a plus rien là. Suive le conduit. Ah ça je connais, c'est Seven. C'est une référence à Seven. Ça n'arrête pas. Encore. Ok. Oui. C'est bon. Et les pompiers seront bientôt là. Merci Spider-Man. J'avais jamais vu une conduite de gaz exploser. Heureusement que vous avez fait vite. Pas de problème. J'étais dans le quartier. Les gars m'ont dit que vous aviez une appli. La technologie, c'est pas trop mon truc, mais pour vous, je ferai un effort. Parfait. Bah écoutez les gens, on va se laisser pour cet épisode, hein, parce qu'il est quand même bien chargé. Dans le prochain épisode, on ira retrouver notre oncle. Et peut-être pour donner quelques pistes pour régler notre affaire avec Finn. Bref, sur ce, je vous dis merci de regarder la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite et prochainement la fin de notre let's play sur Marvel Spider-Man Miles Morales. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.